de merde. Il fait froid. Faut que je mette le chauffage dans le salon, hein, c'est plus possible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau Vlogmas. Vlogmas numéro 2. C'est que le numéro 2, je suis déjà éclatée. Regardez ma tête, c'est une catastrophe. Alors, nous sommes le jeudi 1er décembre, il est 8h15. Faut savoir que moi, je ne suis absolument pas du matin. Je peux pas. Le matin et moi, ça fait 10. Je suis fatiguée. Je me suis levée beaucoup plus tôt parce que je prends beaucoup plus de temps le matin pour vous parler. Donc je me lève 1h30 avant de partir du coup. Aujourd'hui, le petit programme. Déjà, je bois mon café. Alors, on va se retrouver, je pense, tous les matins sur mon canapé en train de bouffer le petit déjeuner. Donc là, c'est du pain au chocolat, pain au raisin, banane. Ça va mon chat? Viens mon amour. T'as mangé un peu de croquettes? Tu dis bonjour à la caméra, nous sommes le 1er décembre, c'est la magie de Noël, ça y est. Donc nous sommes le 1er décembre, ça y est, on va pouvoir enfin ouvrir le calendrier de l'Avent, je suis trop contente. Donc le programme de la journée, j'ai un examen de sport, donc c'est un examen qui se fait sur 2 semaines, donc aujourd'hui et donc la semaine prochaine. C'est un examen qui est sur le fitness cardio, donc moi je suis assez forte là-dessus, j'ai toujours 20 ou quelque chose comme ça. J'arrive toujours à avoir des très bonnes notes parce que j'ai énormément de cardio, je suis énormément musclée, même si je suis pas musclée genre... physiquement genre ça se voit pas, mais je suis très musclée, je suis pas dessinée en fait. Et du coup on aura des exercices à faire. Ensuite je vais aller directement en télé de droit, j'ai une demi-heure pour y aller, donc je pourrais pas manger ce midi. Donc j'ai une demi-heure pour aller à mon télé de droit, elle va nous rendre les contrôles. Ça va être une catastrophe, pour moi en tout cas, parce que j'ai vraiment fait de la merde. Vraiment si j'ai la moyenne, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, c'est un miracle. Ensuite j'ai une heure de trou. Parce que le prof a décalé son horaire de cours à 15h, donc j'aurai une heure pour manger, donc ça c'est vraiment cool pour me poser un petit peu. Donc j'ai acheté la salade, comme vous avez vu, la salade Manhattan, je vais pouvoir manger ça ce midi tranquillement. Faut pas que j'oublie de prendre une fourchette, ça serait plutôt pas mal. Et après nous avons 5 heures de gestion de risque et de crise, donc c'est vraiment une journée pas terrible pour vous, parce que vraiment ça va être chiant, pour moi aussi. Donc pendant les 5 heures de GRC, je vais essayer de m'organiser un petit peu pour ce mois-ci, faire mes mails, faire tout ce qui est pour YouTube et tout. J'essaie de m'avancer parce que vraiment cette matière je peux pas, je me fais vraiment chier. Donc je vais essayer de m'avancer, etc. Et on se retrouvera je pense plutôt ce soir après cette journée catastrophique. Je vais rentrer vers 20h30 je pense. Ça va être vraiment une grosse journée pour moi parce que sport plus la matière GRC là cet après-midi, ça va être horrible. Donc voilà, je vais manger, on va ouvrir le calendrier de l'Avent et puis c'est parti. Je vais me préparer aussi accessoirement, ça serait plutôt pas mal parce que là je ressemble à un... Oh là là, je suis éclatée hein. Vraiment, je n'y arrive pas. Le matin et moi, ça fait 20. A few moments later. Bon, et bien voilà pour ma tenue du jour. Je déconne, c'est horrible. Ça c'est juste mon pull pour pas avoir froid sur la route, mais là en dessous j'ai mon t-shirt et j'ai mon legging et je vais mettre ça avec un pantalon fluide vert tout à l'heure, enfin pour me changer. Du coup, la luminosité est incroyable, je pense que vous le voyez, c'est magnifique. Donc on va pouvoir unboxer nos calendriers de l'avant, il est 9h02. Je crois que j'ai le temps, hein. J'ai une demi-heure devant moi, je crois. Donc on va faire ça maintenant. Oh là là, je suis trop contente. Bon, on a quand même pas mal de calendriers de l'avant. Nous avons le Yes Style, le Typologie, Mademoiselle Bio qui est juste là, le My Muesli et le Rituals. Donc j'ai acheté le Yes Style et le Typologie de Rituals. Et les deux My Muesli, je les ai eu gratuitement. Et le Mademoiselle Bio aussi, je les ai eu gratuitement. On va commencer par Yes Style. Il est trop beau ce calendrier de l'avant. Ils sont super bons en plus. Il est comme ceci. Il est vraiment incroyable. J'ai vraiment galéré à l'avoir celui-ci. Hop. Ah non, il est trop chou. Regardez comment il est beau. Hop. Donc faut savoir que dans Yes Style, il n'y a que des full size. Vraiment, il n'y a aucune miniature. C'est que des full size. Ça, c'est vraiment cool. Ah, il est trop beau! C'est un petit blush rose comme ceci.
De la marque, bonne question. Romand. Je sais pas du tout. Donc voilà, c'est un petit blush, il est trop mems. En plus j'ai même pas mis de blush. Et ça va pour moi qui suis très pâle de peau, ça peut le faire, mais pour les peaux un peu plus foncées, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Tipology. C'est une marque que je voulais tester depuis très longtemps. Alors le numéro 1. Oh, j'aime trop. C'est trop kiki, putain. C'est un sérum visage nourrissant à l'olive squalane 100%. D'accord, donc je connais absolument pas ce genre de sérum. C'est vraiment trop mignon. Et je trouve que les sérums, ça dure assez longtemps quand même. Donc trop contente d'avoir ce petit format voyage, 15 ml. Trop contente. Ensuite, Mademoiselle Bio, le numéro 1 est juste là. J'aime trop les calendriers de l'avant, je suis trop contente. Ah, trop bien! C'est un petit baume à lèvres. Je viens de mettre mon doigt, c'est pour ça qu'il y a la trace. Trop trop beau. J'ai même pas mis de... Est-ce que ça, c'est hyper pigmenté ou pas? Oh, c'est joli! Oh, j'aime trop! Ça, je vais mettre dans mon sac à main. J'aime trop. Oh, donc ça sent super bon. Là, c'est le calendrier de l'avent chocolat de chez My Muesli. J'aime trop, moi, leur calendrier de l'avent. Ils sont trop, trop cool. Petit chocolat. Je l'avais déjà ouvert, celui-ci, avec vous. Donc, c'est un chocolat. Je vais le manger ce soir, du coup. À l'orange, etc. Donc, c'est une marque bio. Le focus ne veut pas trop bien se faire parce que la qualité et enfin, la luminosité est horrible. Mais voilà pour le petit chocolat. Ah, je le connais pas, celui-ci. Save the Ocean. Trop bien. C'est trop mignon, j'adore le packaging. Donc voilà, c'est du muesli. À l'intérieur, vous avez quinoa, flocons, crunchy cacao, quinoa, des griottes. Et enfin, le rituel, je ne l'ai même pas ouvert. Donc on va l'ouvrir maintenant. Eh, il est pas trop beau? Ah, j'arrive pas à prendre avec mes ongles. Ah, ça c'est problématique. Ah, c'est beau. Oh, elle sent trop bon. Ça a la vanille. Bah on va se l'allumer ce soir en mangeant notre petit chocolat. Donc voilà, je voulais même pas montrer, excusez-moi, c'est ça. Elles sont trop trop bons. Donc voilà, moi j'adore Rituals, je suis fan de cette marque. Donc voilà pour le premier. Oh, on va peut-être enlever les ailettes parce que je sens que Prince déjà il va vouloir les bouffer. Là il est en train de dire mais qu'est-ce que c'est que ça. Et ça me casse les couilles les ailettes. Même si c'est mignon tu vois. Donc voilà pour les premiers calendriers de l'avent, je suis trop contente. Il est 9h11, putain ça va, j'ai le temps en fait hein. Donc pour aujourd'hui j'ai pris un petit sac en plus avec mes chaussures et donc ce pantalon tout doux, il est trop mims, j'aime beaucoup. Et en plus il est super bien parce qu'il me va au niveau de ma taille, c'est pas trop grand. Mon iPad est dedans, là c'est la petite salade avec les fourchettes. J'ai pris aussi des petits trucs comme ça là pour pouvoir manger pendant GGRC, genre si j'ai faim ou autre. Une bouteille d'eau, mes papiers etc, ma petite trousse avec tout le nécessaire, genre des serviettes hygiéniques etc. Donc voilà pour mon petit sac. Ça va être une longue journée, je le sens, je vais mourir. J'en peux plus. Je vais m'endormir. Parce que là déjà, je m'endors. Ah, j'ai aussi reçu, je sais pas si je vous ai dit, pour le certificat d'inscription, enfin mon sirène quoi, parce que j'ai changé d'activité. Parce qu'avant, il n'y avait pas marqué créateur de contenu à l'époque où j'ai créé ma micro-entreprise. Il y avait juste marqué genre monteur, producteur de films, je sais pas quoi. Donc moi j'avais mis ça, tu vois. Et donc bah, j'ai changé, j'ai mis créatrice de contenu. Donc voilà, c'est une petite nouveauté. Donc ça c'est cool. Bon et bien il est 9h30, c'est parti pour mon cours de sport. Donc je vais à la cité universitaire, je vais peut-être vous montrer, vous faire une voix off en même temps pour vous montrer un petit peu les locaux. Ce sera l'avant-dernière séance. La dernière séance ce sera la semaine prochaine pour les évaluations. Donc voilà, j'ai trop hâte de retrouver ma prof parce qu'elle était absente pendant toute la période à cause de ses problèmes de santé. Et là, j'ai trop hâte de la retrouver parce que c'est vraiment une prof que j'adore. Donc bah c'est parti, on va aller faire du sport, on va aller suer un petit peu. Et let's go.
porterait atteinte au candidat à l'emploi, une question qui serait discriminatoire. Donc comment vous traitez ça? Cela vous alerte, vous traitez de les atteindre, ces objectifs, il faut que ce soit des objectifs réalisables, on se souvient de cela. Hein, bien sûr, si ces conditions sont réunies, la carence du salarié au résultat attendu, hein, bien évidemment, un quota, un chiffre d'affaires qui est attendu pour l'activité. Il faut un ascenseur. Oui. Moi, je ne prends pas d'escalier. Ah oui, elle dit ouais, c'est trop succinct, bah, sans blague. Hein. Non, ouais. Déjà trois cas pratiques. Non, ah, laisse ton pied. Je vais pas te faciliter la tâche. Je te ferai rien, mais bon. Ah, et je laisserai ton pied. Bouge pas, Pierre, t'es pas bon. Merci. Je pourrais te payer. Oh, ne lâche pas ton pied. Non, on est en train de tomber là. Bon appétit. En fait, en train de bouffer, ça. Exactement, il faut du contenu, tu sais, pour les vlogmas. Vlogmas. Je sais pas ce que c'est. C'est un vlogmas. C'est un vlog par jour jusqu'au 25 décembre. Okay. C'est comme un calendrier d'avant. Je vais faire une story. Je vais le licencier, rupture anticipée du CDD depuis le 20 septembre 2022. Faites plourde. Faites plourde. J'ai envie d'un McDo, d'un café. Mais attends, la machine à café, on peut pas utiliser la carte bleue. Non, ça marchait pas dans la fois. Putain. Il me faut un café hein, pour supporter ces gens. Attention. Pourquoi j'ai sexe ici? Mais non, mais c'est le sexe genre homme-femme. Vas-y, montre ta première réponse. Est-ce que c'est moi? Oui, c'est moi. Vas-y, la première réponse. Après une partie de sexe, j'aime énormément travailler la nuit, car mon cerveau est extrêmement stimulé. La nuit, après une fellation, je suis très bonne en mathématiques, j'arrive à compter, surtout dans mon livre. Généralement, ils sont trois. Mais sinon, je suis plus productif pour apprendre, pratiquer et m'organiser, car il y a du silence. Silence, la paix, la tranquillité sont présents après une nuit. C'est... Ah mais vraiment, on sait que c'est Pierre, parce que les périodes, il manque un S, genre vraiment, c'est une catastrophe. Enfin, deux après-midi, tu sais... Il y a un programme correcteur d'orthographe sur elle. Dauphine, pourquoi tu regardes Dauphine? C'est le Dauphiné. Tu veux nous quitter? Quoi? Tu veux nous quitter, tu veux la Dauphine? Non, c'est le Dauphiné. Je ne dis pas ça. Madame, monsieur, bonsoir. Il faut dépayer. Oh là 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 là. Heureusement que c'est pas toi qui écriras dans mes communiqués de presse. Hein. Communiqué de presse. A décidé. Avec un accent sur le A. T'aimes Pierre. Ne change pas. Elle est en équilibre. Je vais trouver le bon équilibre, c'est le mauvais voilà. Équilibre. Donc elle est dans une situation complexe quand même. Elle est sur son échelle, qui est attachée à rien du tout, en talon. Il faut qu'elle trouve une solution. Et donc là, ça met en valeur quoi en situation de crise ou de pré-crise? Qu'est-ce qui est hyper important? La rapidité pour la rapidité des décisions. Il faut qu'elle décide quelque chose. Si elle ne décide pas, est-ce qu'elle s'engueule? C'est sûr. Hein, bon. Donc il faut qu'elle prenne une décision, mais qu'elle prenne la bonne décision. Mettre une main sur le. Essayer de mettre la main à droite ou à gauche. Et elle a plusieurs options qui sont prêtes, finalement. Hein. Mais ça montre que, un, il faut qu'elle prenne une décision très rapide, sinon c'est la catastrophe. Mais que c'est pas du tout évident dans des telles situations de prendre une décision très rapide. Et pour un café, il faut marcher, hein. Putain, faut faire l'autre bout de la terre. Ah ouais, c'est beau. Institut Henri Poincaré. Putain. Ah, ah ouais, c'est plus moderne, ça c'est original. Ah ouais. Non mais tu déconnes.
Pourquoi on n'a pas ça, nous? Ah, en fait, t'as un vrai bar avec genre un vrai truc. Il y en a un deuxième. En fait, il y a grand et petit amphi. Et il y en a genre un deuxième, mais après, c'est que des salles. Voulez-vous attraper des... Ah ouais, il y en a un jeu. Ouais. Non, grain de café. C'est chocolat. D'ailleurs, on a fait un peu plus, on a des... Ça y est, on a... J'ai eu un point. Non, mais non, nous, avec Romaric, Philippe... C'est important, les plantes. Elle a plus fort, on va pour quand tu manges par terre, tous les midis, à un moment donné, je sais pas... J'avoue, c'est abusé. Dans le hall, il y a... Moi, je mange par terre, moi, je ne suis pas là, tu vois, genre... On n'a même pas de table, nous aussi, hein. On a même pas de plan, nous aussi, on a rien. Bon, je viens de rentrer, il est 20h. Ah, faut que je prenne ma pilule, putain. Du coup, je viens de rentrer, je me fais engueuler par Prince. Vous avez l'habitude de ça maintenant? Oui, mon cœur, je vis chez toi, ça se voit. En fait, tu m'attendais juste pour la bouffe, hein. Parce que chaque fois, il est derrière la porte, il attend. Non, tu me fais des câlins quand même. Non, j'avais vu, tu me fais des câlins. Alors, si on se faisait à manger, si on parlait, si je sais pas, genre si on faisait quelque chose. Il est 20h04. Mais bonne nouvelle les gars, bonne nouvelle. Déjà cette luminosité, on n'en parle pas assez, mais c'est une atrocité. Mais je n'ai plus GGRC, ça y est, c'était mon dernier cours. On a donc prolongé le cours pour pouvoir ne plus avoir cours après. Franchement, la dernière session était plutôt pas mal, je trouve. On s'est bien amusé parce que j'étais avec mon master et tout. On était en train de faire une cellule de crise, machin, bidule, chouette. Et c'est vraiment super intéressant parce que bah, les gens de mon groupe, bah, ils m'ont appris les choses. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un cours de gestion des risques et de crise, c'est plutôt une mise en situation. Sauf que bah, moi et un autre mec de mon master, on n'a jamais eu de cours de gestion de crise. Genre les COD, les PGHM, là, les trucs de gendarmerie et tout. On connaît pas tout ça, tu vois. Donc les autres ils connaissent parce qu'ils ont déjà fait une licence là-dessus. Donc ben, on est un peu largués, mais donc les gens de nos masters, eh ben, ils nous ont un peu appris les choses et tout. C'était vraiment sympa. Et voilà, donc c'était notre dernier cours. Et du coup j'ai 10,5 en cours. Putain, en droit, j'étais trop contente. Enfin trop contente. La moyenne était de 9. La meilleure note c'était 14 je crois, la pire c'était 2. Et il y avait des 12. Mais franchement ceux qui ont eu 12, ils avaient mis vraiment beaucoup de choses. Et moi j'ai pas mis grand chose, j'ai eu 10,5. Je me dis... franchement, ça passe, hein, parce que vraiment, beaucoup de bonnes choses. Moi, j'ai mis très peu de bonnes choses, donc pas plus, pas moins. On a mis 10,5. Moi, je dis, c'est propre. Voilà, je m'attendais pas à plus avec cette prof-là. De base, en fait, quand j'annonçais ma note à une meuf, elle m'a dit quoi? Toi, t'as 10,5? Parce que de base, j'ai toujours des 17, des 18. Sauf que vraiment, là, avec cette prof-là, plus le talent de ma personne qui n'a pas révisé, plus toute la merde que j'ai mis, plus le manque d'articles, franchement 10,5 c'est un miracle, je vous jure c'est vraiment un miracle. Et en fait ce qui m'a pas choqué, mais on a perdu des points bêtement et franchement j'avais pas pensé à ça, c'est qu'en fait dans notre cas pratique de droit, en fait il y avait une histoire de rupture de CDD, sauf que il y avait une période d'essai, mais on n'a pas vraiment parlé de la perte d'essai, on a plus parlé de la discrimination et tout, parce que c'était lié à une discrimination. Mais en fait, il fallait parler de la perte d'essai, parce que la perte d'essai n'était pas finie. Mais ça, on ne le savait pas. Et en fait, je lui dis, mais en fait, madame, vous vous basez sur la date où on a fait l'examen, donc le 17 novembre, pour la période d'essai. Elle m'a dit oui. Et on est tous en mode, wesh, mais quoi? Parce qu'en fait, le contrat du CDD a été fait le 20 septembre 2022. Et on a passé l'examen le 17 novembre 2022. Donc ça faisait un mois et 27 jours, quoi. Il manquait 3 jours. Donc en gros, elle était encore en période d'essai, la dame. Donc vraiment, on n'a pas capté. Vraiment, on était en mode, mais wesh! Donc elle nous a dit, bah faites pas l'erreur pour le partiel. Donc crois-moi, frérot, je vais jamais faire cette erreur-là parce qu'on a perdu 5 points, du coup 5 points sur 10, ce qui est énorme. Donc bref, je vais peut-être vous poser, on va peut-être faire un manger. J'ai commencé un petit peu à planifier mon mois, ma to-do list et tout, je vais vous montrer ça juste après. Mais là pour l'instant, on va se faire un manger. Qu'est-ce qu'on va manger d'ailleurs? Trop ce qu'on va manger.
Si vous avez une idée, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je n'en ai aucune idée. J'aimerais bien tester la purée, ça me perturbe. Cette purée à carottes là, qui m'a coûté une blinde. J'aimerais bien tester. Mais avec quoi on mange ça? Non, en vrai, faut que je fasse avocat, tomate là et... Si on se faisait un petit truc de chèvre. Ouais, c'est pas mal, hein. Salade. Avocat. Parce qu'il faut que je le mange. Des tomates. Ouais, j'arrive, mon gars, j'arrive. Des tomates. J'ai du concombre, mais ça, pas envie pour l'instant. Et j'ai du chèvre. C'est plutôt pas mal, non? Avec des toasts, on fait ça? De toute façon, j'ai pas d'autre idée, donc... Oh, vraiment, ce cadrage. Je peux pas vous poser autrement. De toute façon, c'est pas intéressant, je vais juste me faire à bouffer et c'est pas un truc de ouf. Alors, nous allons prendre... Ah, j'ai plus d'assiette creuse! Faut que je fasse un lave-vaisselle, ça veut dire. Non, j'en fais deux. Allez, soyons fous. En plus, c'est périmé depuis le 26 novembre. Très bien. C'est parfait, Lisa. Bon, sinon, vous, comment ça va? Vous avez apprécié ou pas le vlog d'hier? J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à regarder le vlog d'hier. On a commencé les vlogmas. Aujourd'hui, c'était une journée assez intense. Peut-être pas trop intéressante pour vous. Je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment la journée la plus chargée. Non, ça va être la dernière, je pense. Chargée. Donc, Oh, mon avocat est beau. Oh, je vais m'asseoir. Ah bah voilà. Depuis tout à l'heure, je me cambre et tout, genre. Ah oui, aussi, pour Big Data. C'est Big Data. Comment je peux vous expliquer ce que je fais en Big Data? Donc, vous souvenez, je vous ai parlé hier d'un projet que j'ai pas trop participé, c'est sur Walking Dead. En gros, ça va prédire la mort des séries, des personnages dans la série. Et aussi, je crois qu'ils ont inséré des célébrités. Genre, est-ce que telle célébrité pourrait vivre dans Walking Dead? Je trouve ça super intéressant et super drôle. Du coup, moi, j'ai pas trop fait le codage et tout, enfin, voilà. Mais les meufs, elles m'ont dit, Lisa, est-ce que tu pourrais faire la vidéo du truc? Donc, j'étais contente parce que je me suis dit, bah ouais, carrément. Je leur ai dit, moi, je peux vous faire un truc, mais il faut juste avoir une ligne directrice, quoi. Que je sache un petit peu ce qu'il faut faire, etc. Ce que vous attendez de moi. Enfin, avoir une ligne directrice. La salade, elle fait vraiment la gueule. Quand je l'ai acheté il y a... Bah hier. J'ai fait ça en droit parce que je me faisais chier. Donc je vais vous montrer une petite image de ce que j'ai fait. Donc c'est un peu les images, un peu le mood board et tout. Donc on va faire une introduction un peu style apocalypse avec des musiques assez stressantes, etc. Et ensuite dans la vidéo, ça va être la prédiction des personnages. Donc je vais insérer le code dans la vidéo. On va mettre les variables du personnage, le prénom, une photo de lui, etc. Il y aura des effets un petit peu de bug, comme pour mon introduction de Noël, il y a toujours un petit truc de bug. Je vais mettre ça, je vais mettre une musique stressante, des talkie-walkie, enfin des choses comme ça. Mais ça, en fait, il faut le trouver. Et c'est compliqué de trouver. Et en fait, ce genre de montage, malheureusement, ça prend énormément de temps. Moi, pour une vidéo simple, basique, pour YouTube, ça me met 3 heures à faire. Mais pour une vidéo comme ça, avec du code, avec énormément d'éléments à mettre, des sons, des trucs comme ça, en tout dans le travail, ça peut prendre 24 à 30 heures de travail. Donc c'est vraiment énorme, c'est énormément de travail. Il y a beaucoup de vidéos, etc., à insérer, enfin c'est vraiment beaucoup de taf. Et en fait, il faudra le faire pour la semaine prochaine. Donc vous voyez un petit peu ma panique, sachant que j'ai ça à faire, mais j'ai aussi celui en recherche. Donc on passe soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Donc j'aimerais bien qu'on passe genre en Big Data la semaine prochaine et en recherche dans 2 semaines. Parce que là, je sais pas si je vais pouvoir faire autant de montage d'un coup. Genre si je dois faire les 2 vidéos d'un coup. Sachant que vraiment, c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si elles s'en rendent compte, mais c'est énormément de taf. Surtout au niveau du son. C'est... Vous vous rendez pas compte, dans les vlogs on s'en rend pas compte parce qu'on le fait pas trop, mais le montage du son est hyper important, c'est hyper décisif pour la vidéo. Et en fait le plus gros taf pour le montage, c'est pas en soi le montage en lui-même, c'est plutôt la recherche d'idées et la recherche des éléments à insérer dans la vidéo. Parce que c'est pas moi qui vais parler, voilà, il faudra des vidéos à insérer, des choses comme ça. Et donc bah, c'est ça qui est le plus dur à trouver et à insérer, etc. Faudra rechercher des images de films, des choses comme ça. Faudra télécharger les films, télécharger des vidéos. Vous me voyez absolument plus, mais c'est pas grave. Je vais prendre un Fanta, tiens, hop, petit Fanta. Mais voilà, c'est tout ce genre de travail en amont qui est très très long à faire. Voilà, c'est juste ça. Après, dès qu'on a tous les éléments, c'est le montage en 2-3 heures, c'est fait. Mais c'est vraiment la recherche de tout. Ça, c'est long. Pour ça, j'ai besoin qu'elle m'aide et qu'elle m'envoie des trucs et tout. Enfin, si tout le monde
s'il met pour le montage et m'envoie des choses, il me dit tiens, tu pourrais faire ci, faire ça, ça va aller vite, mais si c'est moi qui fais toute seule, genre ça va être très très long. Donc bref, je vais manger, je vous ai pas montré le résultat, c'est pas terrible à voir, mais c'est bon quand même. Petite salade, tomate, salade, avocat, et les toasts à moitié, bon voilà, c'est pas incroyable. Petit Fanta. Voici ce sublime dessert de Monsieur Pierre Hermé. Faites-en la gueule qu'il a. Ça se voit que c'est vraiment un truc de Carrefour premier prix. Regardez la crème, elle est jaune fluo, mais même pas je la mange. Hein. Je sais même pas ce que c'est. J'en ai même plus de glaçage et tout, c'est n'importe quoi. Bon, je suis dans le bureau. Je voulais déjà vous remercier pour toutes les réponses pour le Google Form pour mon projet en recherche en management, donc sur la santé mentale. Prince, je t'aime tellement. T'es tellement beau. Donc merci beaucoup, on a eu vraiment en très peu de temps plus de 200 réponses, genre en moins d'une heure 200 réponses. Donc de base on doit en avoir 100, mais c'est bien d'en avoir beaucoup pour plus il y en a mieux c'est pour la programmation. Donc vraiment merci beaucoup de jouer le jeu et tout, franchement je vous jure ça nous aide énormément, parce qu'avoir 100 réponses pour un étudiant qui n'a pas de communauté, qui n'a pas comme moi voilà, des gens pour répondre, vraiment c'est long. Il y en a généralement qui en ont que 15 et c'est pour avancer, pour travailler, c'est vraiment très compliqué. Donc merci en tout cas beaucoup pour toutes vos réponses. Donc je vous ai montré déjà pour le Big Data ce qu'on doit faire avec Walking Dead. Donc voilà pour, je vous ai montré une petite image. Pour mon planning, alors on va le faire ensemble, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc bah, c'est parti, je vais le faire. Donc voilà ce que ça donne, je vous ai pas mis les petites écritures en bleu, donc là il y a des écritures en bleu, voilà c'est juste pour tout ce que je dois faire pour les vlogmas, genre filmer, ce que je dois filmer dans la journée etc, donc j'avais des petites idées donc je les ai mises, mais voilà donc pour le mois de décembre, j'ai pas beaucoup de rendez-vous médicaux, j'en ai que deux donc ça va, il y a des anniversaires etc qu'il faudra que je prévoie, il y a des présentations qu'il faudra que je prévoie aussi, donc voilà quoi ça ressemble, vraiment je l'ai fait assez rapidement. Demain on va chercher le sapin et j'ai réussi à vendre un autre sapin, mon ancien sapin blanc, à une de mes amies, donc là je vais aller me laver, me démaquiller et faire le montage de cette vidéo, Prince fait que des conneries, et je vais aller me poser dans mon lit avec mon rétroprojecteur et regarder des vidéos YouTube, des vlogmas avec un petit chocolat chaud, donc ça c'est vraiment mon moment à moi, je filme pas parce que vraiment c'est que pour moi, c'est que pour me faire plaisir etc, mais en tout cas j'espère sincèrement que cette journée vous aura plu, j'essaie vraiment de vous montrer au maximum arrête de faire des conneries Prince, j'en peux plus de vous montrer au maximum ma petite journée étudiante, c'est vrai que c'est un peu compliqué mais c'est vrai que je suis un peu plus à l'aise de filmer devant les gens de mon master, alors qu'avec mes amis plus proches j'ai un peu plus de mal, mais les gens de mon master genre ils en ont vraiment strictement rien à foutre et ça c'est vraiment cool. Donc j'apprécie vraiment beaucoup leur attitude envers ça. Donc vraiment, ils caméra ou pas, ils changent pas, ils s'en foutent totalement. Donc c'est vraiment cool. Alors qu'avec mes autres amis, bah je suis un peu plus gênée parce que ils vont soit aller vers la caméra pour regarder ce qui se passe, ou autre. Enfin, je vais devoir les flouter ou couper ça à la caméra, ça me saoule. Donc eux, ils s'en battent les couilles. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai revu ma prof de sport, j'étais tellement contente de la revoir. On a parlé pendant voilà 10-15 minutes pour son état de santé et tout. C'est vraiment une femme assez forte et je l'aime énormément à ma tellement aidé dans ma vie personnelle, je l'aime énormément et je suis trop contente de la revoir. Donc pour l'instant, bah, dans mes 3 notes, j'ai quasiment 20, j'ai 19,6, 20, 20, 20. Et donc la semaine prochaine, ça va être aussi 20, 20, je pense aussi. Donc j'ai toujours 20 de moyenne en sport parce que je suis très, très, très sportive. J'ai beaucoup de cardio. Demain, je vais avoir la note de mon contrôle en stratégie. Là aussi, c'était du pur talent. Je suis notée sur 14 pour vous dire, donc... parce que j'ai pas fait des questions, voilà. Donc j'ai hâte de voir ma note. Et voilà, écoutez, pour cette journée, après GGRC, ça s'est plutôt bien passé, bonne surprise. Je me suis un peu amusée, j'ai participé même, comme vous avez pu le voir. Donc c'était plutôt drôle.
Et voilà, on est rentré, on a fait à manger, on s'est posé. En tout cas, voilà, c'était, en fait, c'était les jours chiants où vraiment il y avait beaucoup de boulot. Et là, il y aura beaucoup de boulot en groupe, donc il va falloir que je me focalise aussi un petit peu dessus quand même, un minimum. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, vous vous imaginez même pas les gens, toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire. Vraiment, je vous aime parce que vraiment, ça aurait pris beaucoup plus de temps, genre plusieurs jours pour avoir autant de réponses, donc vraiment merci beaucoup, ça m'aide énormément. Déjà il y en a plein qui m'ont dit qu'ils étaient très intéressés de voir les résultats pour les signes astrologiques et de travailler en groupe. C'est vrai que vraiment au plus je travaille en groupe, au plus je vois que mon algorithme est vérifié. Donc bah écoutez, je vous montrerai ça. Et puis bah voilà pour cette vidéo, pour ce Vlogmas numéro 2 du coup, ouais. Donc j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Bye bye.